Nous sommes ici sur un site historique de la région bruxelloise, les anciennes caves de Kuringem, ancien abattoir. Et donc Big a rencontré Abattoir en 2015 pour créer un projet de ferme urbaine au moment de la conception du FoodMet. Le FoodMet, c'est un projet de marché couvert sur lequel nous sommes actuellement. Et donc le début de la production, c'était 2018. On a une ferme aquaponique où on produit des tomates et du basilic et du poisson. En fait, on recycle l'eau des poissons pour faire de la fertilisation pour les tomates. Christopher, je suis responsable aquaculture de Big. Donc là, pour faire une brève description du système, on est sur une production de 25 tonnes par an à 14 bassins en parallèle qui sont reliés tous à un traitement d'eau unique et constitué donc d'un filtre mécanique. Donc deux filtres mécaniques, bien sûr, pour séparer tout ce qui est fesses solides. On est ensuite sur une partie filtre biologique, donc c'est la technologie MBBR, où on utilise un lit fluidisé pour faire plus simple en français. On va assurer toute la nitrification de l'eau pour pouvoir ressortir de l'azote minéralisable. Après, comme on a un système qui travaille avec la gravité, avec les sorties, on a deux pompes qui vont relever l'eau et passer par une désinfection UV. Donc cette UV-là va uniquement servir à contrôler la biomasse en bactéries, de manière à consolider un petit peu l'ensemble biologique dans le système. Il faut le rappeler, c'est un petit peu une micro-station d'épuration. Sur un circuit fermé, on utilise quand même 10 fois moins d'eau qu'en circuit standard ouvert. Donc sur type raceway, bassin d'élevage extérieur. We have the production of six types of herbs. We have basil, basil pistu, coriander, persil plat, persil frisé, and thyme. And the production starts in that point down there. We have and each plant take 4 weeks to be ready to be sold. All the irrigation system is automated, all the lighting is automated, the heating system, and basically we have the rainwater to water the plants. Everything is bio. And so every produce is certified and we have control.